Alors là, c'est le top du top. Regardez, pour ne pas avoir froid, ils ont mis des sacs poubelles. Énorme! Allez, commencez à embarquer dans les bateaux, que je rappelle les consignes de sécurité à tout le monde. Et c'est parti! Et c'est mal parti! Et voilà, malgré le vent, les équipes sont à l'œuvre. Les premiers poulpes sont sortis, les premières sèches aussi. Et voilà, ça pêche les bouées au bord de la falaise. De la plagette jusqu'à l'anse du paradis, tous les bateaux et quelques courageux au large. Mais bon, ils ne sont pas nombreux à cause du vent. Alors on va faire un peu le tour des bateaux pour voir. Mais tout le monde est dans l'eau, hein, personne ne s'est dégonflé. Bravo, je suis fier d'eux. Malheureusement, le vent qui est annoncé à 20-30 km/h est plus proche maintenant de 40-50 km/h en rafale. Mais la rencontre se passe bien pour l'instant. Les sèches et les calamars, je ne sais pas, mais les sèches et les poulpes sont tombées déjà. Mais si ça forcit encore un peu plus, je vais être obligé de rapatrier tout le monde. Et voilà un petit jeune. Ouais! Magnifique! Dans le top pseudo! Top pseudo, c'est quoi? Jirel 66! Ouais, Jirel 66 qui fait son premier calamar! Le premier! Yeah. J'ai tout fait le doublé! Hein. Hey, t'as peut-être remporté le trophée! Allez, continue à pêcher, c'est bien! Alors, les plus courageux! Poulpe sèche, bravo! Eh, il y a le plus jeune du groupe qui est arrivé là, avec une combinaison de chat, tout comme ça. Jirel 66, il a fait un énorme calamar. Entre la nous, entre la nous, entre la nous. Ouais, vers les sèches en bas. Bravo! Magnifique! Eh, c'est ton plus gros sard, non? Il est superbe! Tu peux être fier! Première fois que tu fais un gros sard comme ça, non? Bravo! Il est superbe! Bravo! Magnifique! Un loup. Montre-nous ton calamar! Ouais! Un calamar! Ça en est fait, hein, tu verrais les prochaines ancres qui flottent. Et ça en est fait des gros même. Ouais. Forcément, en fait. Ah ouais? Marbré! Bravo! Yeah! Ouais, bravo! Joli! Oh, énorme! Poulpe calamar, félicitations! J'en ai plein le cul là! T'en as quoi? J'en ai plein le cul de ce courant de merde! Allez, remonte, va! Et retour de pêche, et Striker qui a fait son premier calamar! Yeah, il est fier le petit Striker! Histoire! Je vais vous expliquer, Steph, il nous ramène là-bas, fais-leur voir! Là-bas, je les amène, là-bas! À la falaise où il y a de la houle, comme ça! Des calamars soi-disant pagailles! Des calamars comme ça, il nous dit! Nous, on revient, tranquille, pas bête, on se met à la digue! Se met à la digue, on revient, une frayère de calamar. Je vois, il est petit et Adrien rate le plus gros comme ça. Oh là 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 là! Notre chasse a été faite là, sans bateau, sans rien. Eh ben, à coup de pied, je vais t'y mettre à l'eau, moi là-bas. Tu vas un peu. Alors, qu'est-ce que ça fait, Dan? Et on n'a même pas pu faire de bordel sous l'eau et tout ça, tellement il y avait trop de vent, c'était trop dangereux. Hein. Si, on l'a fait, moi j'ai fait, je suis monté sur les cailloux et tout. Hein. Je l'ai pas entendu. Hey, on va faire l'Harlem Shake autour de la paella quand même. Hein. Qui nous a tous mis minables. Alors montre-nous. Oh là là, qu'il est beau. Oh là là, ce calamar.
C'est ton premier? Ouais, premier. Félicitations, raconte-nous un peu, vas-y. Donc je suis au fond. Ouais. Et là je vois une frayère. Tu vois une frayère, ouais. Et donc là je vois deux calamars sortir. Et donc je pourrais choisir le plus gros. Et après j'ai pas eu l'idée de laisser au fond le gros pour refaire venir. Pour en faire l'autre. Mais déjà t'en as fait un, c'est ton premier, c'est t'es heureux. Ouais, je suis content. Et tu sais que vu la taille, il y a des chances que tu gagnes le trophée, hein. On verra ça tout à l'heure. Félicitations en tout cas, bravo Jirel 66. Bravo, bravo Renaud. Un sort est si sèche. Merci Steve. Félicitations. Tu vas mériter la paella. Je crois qu'on va tous mériter la paella vu le bordel dans lequel on s'est foutu. Félicitations. Alors dis-moi. Ah bah une petite sèche. Énorme gigantesque. 3,5 kg. Ouais, au moins, hein. À vue de nez, hein. Je suis habitué d'aller sèche. Et Sim, il a fait un sar et... Il est où? Il est où? Je sais pas où c'est. Ah, dans la bourse là-bas. Il s'est fait du poisson, hein. Et ouais, tout le monde a fait un petit sar. Oh, belle monstel, bravo. Belle. Ouais, j'avais pas sorti les trous. Ah, et un sar, bravo. Félicitations. Alors Jamy, elle commence cette paella? Ouais, elle commence, elle court. Elle court, elle court, elle court, la maladie d'amour. Ouais, la paella, beaucoup de vent. Ah ouais, beaucoup de vent, dommage. Ah le jus, le bon jus. J'ai pas encore mis la viande encore, t'as une bonne date. Et le riz, il n'y aura pas de place pour le riz. Il n'y aura pas de place pour le riz. Mais je voulais envoyer un. C'est mon drone. Regarde, c'est mon drone. Regarde, j'ai le top là. Allez les cuistots, Jamy, Marine Lou. Allez touille homme, touille, touille la moi cette paella. Boulègue homme, boulègue. Et les petits jeunes et les nouveaux là, qui commencent à arriver là, hein, qui vont nous foutre la pâtée bientôt. Enfin, il faudra vous accrocher encore longtemps, hein. Allez Marie Blou, boulègue, 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 boulègue homme. Palme, palme, palme. Allez. C'est moi la retraite, hein. Après l'embauchement pour faire les paillères. Merci à tous d'être venus à la Calamar Party 2014. Et je remets avec plaisir le trophée 2014 à Eugène. Ouais. 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 Bravo. Bravo. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai mis? Allez, charge les paillas, allez! Ça arrive, hein? Ah ben c'est pas moi, c'est au custo, hein? C'est Jamy et oh, il y en a qui n'ont pas mangé là encore. Ah, on vous avait pas dit, cette table là, elle mange pas. Juste la dernière table, elle mange pas. Ouais, on applaudit pour le star là quand même, hein. Les petits jeunes là, hein. Ouais. Très beau poisson, hein. Bravo, félicitations, hein. Très très beau poisson, hein. Tu vas te régaler.
C'est bien.